Vous êtes? Oui, madame. Vous voulez quoi? Ne quittez pas. Allô? Encore un client qui veut retirer son argent, je vous la passe. Laisse-moi faire. Allô? Que puis-je faire pour vous, monsieur? Videz tous vos comptes, mais pourquoi? Qui vous a donné cette mauvaise information? Ça m'étonnerait que la nouvelle présidente refuse tous les prêts immobiliers. Comment je le sais? Parce que c'est moi la nouvelle présidente. Oui, Joséphine Delavarne en personne. Oui, cher monsieur, soyez rassuré. Au revoir. Et voilà. Tu es folle? Lui au moins il ne retirera pas son argent. Mais tu as menti. Constantin, la vérité c'est bien, mais l'efficacité c'est mieux. Tu es complètement folle? Vas-y, puisque c'était si fort. Pas si folle alors. Allô? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Ami? Pourquoi tu ne décroches pas? Monsieur Clamart? Non, monsieur Levallois est occupé. Oui, je sais. Rappelez-le plus tard. Au revoir, monsieur Clamart. Il faut te reprendre, Amir. La banque est en train de perdre tous ses clients. Ça m'est égal. Ne dis pas ça. Tu te vois en train de perdre ton emploi? Oui. Très bien. Et ta femme? Tu as pensé à ta femme? Je ne fais que ça. Je ne comprends pas. Elle m'a quitté ce matin, comme ça, sur un coup de tête. Je suis désolé, mais elle a bien dit quelque chose, non? Non, rien. Tu comptes faire quoi? Rien. Je ne ferai rien tant qu'elle ne sera pas revenue. Tu devrais en parler à la présidente. Non. Moi, je vais lui parler. Anthony Monge, représentant des assurances. J'aimerais voir les directeurs. Enchanté, monsieur Monge. Vous ne pouvez pas tomber mieux. Nous sommes les deux directeurs de cette banque. Que pouvons-nous faire pour vous? Je viens de recevoir une tonne de mails me disant que vous refusiez tous les prêts immobiliers et donc toute collaboration avec nous. C'est extrêmement grave. Il y a plus grave encore. N'écoutez pas mon collègue. C'est de l'humour. Pas du tout. C'est du désespoir. Il y a de quoi être désespéré. Si vous ne changez pas votre politique de rejet de tous les prêts, nous vous enverrons un recommandé pour vous annoncer que nous n'assurons plus votre banque. Ce n'est pas possible. Je vous laisse 8 jours. Salutations, messieurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je démissionne. Monsieur Monge, j'ai un cadeau pour vous. Laissez-nous un peu de temps. D'accord, merci. Madame la Présidente, je vous écris ce mail que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Amir veut démissionner. C'est un pilier de la banque. Pourriez-vous l'aider? Il a perdu sa joie. Sa femme vient de le quitter. Il se moque de tout. Il se moque de nous. Pouvez-vous la convaincre de revenir? Je m'occupe des clients mécontents. C'est parti. Madame la voie noire. Elle est là-bas. Merci, monsieur. Madame le voie noire, je peux vous parler? Oui,